Mais oui, mon petit Bernard, nous allons commencer ces news en parlant de toi, ne t'inquiète pas. Comme vous le savez peut-être, notre chère mascotte Bernard sillonne les réseaux sociaux en cette période de Noël. Avec son Twitter, il vous permet de gagner plein de cadeaux, comme des comptes gold, des consoles, des accessoires et beaucoup d'autres choses. Pour espérer repartir avec rien de plus simple, il suffit d'aller se balader sur le Twitter de XboxFR ou celui de Bernard, mais aussi de suivre les hashtags NoëlXbox et hashtag Bernard. Et qui sait, peut-être que vous parviendrez à dompter cet ours mal léché. Hein ? Oui, non, enfin, je voulais dire cet ours au grand cœur, évidemment, Bernard. En parlant de grand cœur, la nouvelle extension gratuite d'Halo 5 Guardians est désormais disponible. On y retrouve 4 nouvelles maps pour les modes Arena, Warzone et Big Team Battle, ainsi que de nouvelles armes et de nouvelles pièces d'armure. On bénéficie surtout d'une entière refonte du mode Forge afin d'offrir plus de possibilités et d'outils à la communauté. L'extension est déjà disponible et gratuite. La rétrocompatibilité fait de nouveau parler d'elle, et cette fois ce ne sont pas moins de 16 nouveaux jeux qui sont disponibles. Parmi eux, Braid, Deus Ex Human Revolution, Fable 3, Kane et Lynch 2, ou encore Halo Reach. Pour retrouver la liste complète, rendez-vous sur les réseaux sociaux, là on vous dit tout. Mais bien évidemment, cette liste n'est pas définitive et elle ne va cesser de grandir pour toujours plus de jeux. Le très attendu Ark Survival Evolved est maintenant en game preview et en exclusivité sur Xbox One. Vous aurez ainsi l'occasion de vous tester dans la survie dans un monde rempli de dinosaures. Et l'avantage, c'est que tout le monde peut mettre la main dessus. Alors n'hésitez pas si vous souhaitez vous en faire un avis. Et bien évidemment, Kitis et Clément tenteront eux aussi leur chance très bientôt. Fable Legends profitera d'une bêta ouverte d'ici le printemps prochain, l'occasion de poser les mains sur le jeu de Lionhead. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, une bêta fermée sera disponible pour 100 000 joueurs. Si vous souhaitez en faire partie, vous pouvez vous inscrire sur fablelegends.com. Unravel d'Electronic Arts a une date définitive de sortie et ce sera le 9 février 2016. Dans ce jeu de plateforme, vous contrôlerez Yarny, une peluche de laine qui devra utiliser ses fils pour renouer les liens brisés et rétablir l'amour. Une quête tout en poésie qui plaira sans doute aux fans de douceur et de romantisme. GTA V n'en finit plus de fournir du contenu additionnel, cette fois-ci c'est la mise à jour Truand en col blanc qui est disponible. Si vous avez plus d'un million de GTA dollars, vous pourrez prendre la tête d'une bande organisée, recruter de nouveaux joueurs et affronter d'autres organisations criminelles. De nouvelles habitations font aussi leurs arrivées, ainsi que des yachts, de nouveaux véhicules et de nouvelles armes. La cerise sur le gâteau ? Cette mise à jour est gratuite et déjà disponible. Si vous aimez les épopées vikings et les jeux à l'ambiance sonore travaillée, alors l'arrivée de The Banner Saga sur Xbox One est une excellente nouvelle. Cette adaptation console du RPG du studio Stoic vous emmènera dans une aventure envoûtante dès le 12 janvier sur Xbox One. Cette semaine, vous avez aussi pu profiter des bons plans Gold, ainsi Star Wars Battlefront est à moins 33% dans plusieurs éditions, Blood Bowl 2 est à moins 50% et Adventure Time profite quant à lui de moins 25%. Pour toujours plus d'actu, on se retrouve sur les réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas de retrouver notre ami Bernard sur Twitter pour rendre votre Noël encore plus magique. Passez de très bonnes fêtes et à l'année prochaine.